Foulé chaque été par des milliers de touristes, le bassin d'Arcachon n'en est pas moins une terre qui recèle encore certains de ses plus amples secrets. D'ailleurs, il suffit parfois de remonter le cours d'un ruisseau pour retrouver les traces d'un port évanoui sous les sables. Selon les historiens du bassin, il aurait existé un lieu du nom d'Ignac, qui aurait été l'un des principaux pôles maritimes du bassin d'Arcachon. Aujourd'hui disparu, Ignac apparaît encore sur des cartes anciennes, comme pour nous inviter à remonter le fil du temps qui nous conduit vers lui. Avec l'aide de l'essayiste Luc Fredfond, nous allons tenter de renouer avec le passé, de découvrir cette histoire méconnue du bassin d'Arcachon. Luc Fredfond, bonjour et merci de nous recevoir. Alors vous êtes écrivain, essayiste, vous avez consacré un certain nombre d'ouvrages au bassin d'Arcachon, et en particulier à Ignac, donc un point oublié dans l'histoire des cartes. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous êtes tout particulièrement intéressé à Ignac ? C'est beaucoup dire que je me suis intéressé plus particulièrement à Ignac, bien que un de mes ouvrages s'appelle « Le sable, la mer, la voile, Ignac » et bien d'autres choses encore. Voilà. Eh bien, c'est qu'au fil de mes recherches sur le bassin d'Arcachon, il y avait des textes qui reprenaient la notion de port d'Ignac à plusieurs reprises, alors que ici, actuellement, on ne trouve qu'un chemin d'Ignac qui n'amène nulle part. Alors, Ignac, eh bien, j'ai voulu approfondir et savoir ce qu'était ce port d'Ignac. Vous évoquez l'appellation de port. Est-ce qu'il s'agissait vraiment d'un port ? Comparé avec le vocable actuel, contemporain, la notion de port n'est pas du tout la même. Il n'y a pas de quai, il n'y a pas de grue, voilà, c'est un havre, c'est une halte à proximité de l'océan et abritée. On constate l'importance d'Ignac encore au XIXe siècle, surtout si l'on regarde cette carte réalisée par les Ponts et Chaussées en 1854. Suivons d'ailleurs avec Luc Fredfond le trajet emprunté alors par les navigateurs qui pénétraient dans le havre d'Arcachon et sillonnaient la petite mer de Buch avant de se rendre jusqu'à Ignac. De l'océan extérieur, la grande mer, nous contournons ce cap ferré très étroit qui ne s'est construit au fil des siècles que sur des bancs de sable et nous entrons par les passes qui sont pas dessinées ici avec tous les bancs de sable, nous entrons dans le bassin d'Arcachon en direction de l'Arcachon d'aujourd'hui mais qui avant s'appelait Eyrac. Eyrac parce que c'était une anse de la rivière Eyre. Et le cheminement qui nous amènera vers le nord est la sortie du courant des étangs, du canal qui vient des étangs du nord, avec Ignac, bien sûr, qui a donné son port d'Ignac sur le rio d'Ignac. De chaque côté, Lège et Arès. Ignac a une graphie plus importante même que ses deux voisines, ce qui démontre son importance de l'époque, encore en 1854. C'est au cœur de cette anse du bassin d'Arcachon qui constitue aujourd'hui la zone des prés salés entre Lège et Arès que notre route vers Ignac nous conduit maintenant. Ce sont d'ailleurs deux cours d'eau qui nous font à présent face. Beaucoup plus large, le canal des étangs vers lequel afflue la Machinotte a été creusé seulement au XIXe siècle afin d'éviter les fréquentes inondations dans cette zone. Le canal des étangs n'est donc pas la voie maritime que les navigateurs des siècles précédents empruntaient pour se rendre à Ignac. Il nous faut donc nous retourner vers la Machinotte, ce ruisseau qui apparaît devant nous à marée basse, tel une ironique rigole face à l'histoire. Et souvenons-nous que lors de la création des réservoirs à poissons dans les prés salés, la Machinotte a été détournée, et à n'en pas douter, son débit était beaucoup plus dense autrefois. Car si on longe ces berges, on constate qu'elles ont été aménagées pour favoriser sans doute le passage des bateaux. Voilà, une barque dans la rive du rio d'Ignac.
Une barque qui n'est là que pour montrer que les barques remontaient dans ce ruisseau avec un état meilleur qu'aujourd'hui, mais aussi parce que pour renforcer les rives et pour faire des quais, on se servait des embarcations usagées, des embarcations que l'on sacrifiait en quelque sorte, à la fois pour renforcer la rive et pour servir de quais, oh, d'embarquement c'est beaucoup dire, mais de chargement peut-être d'autres barques. Il suffit de quelques pas pour constater que d'autres épaves maintiennent aussi les rives. Voilà, à travers le Riou d'Ignac et un embranchement creusé plus récemment, comment retrouver ce fameux port d'Ignac qui peut-être, depuis une époque lointaine, a servi à accueillir au moins quelques tilleuls, quelques pinasses. C'est donc une déambulation à travers ces résidus de fossés et de ruisseaux qui vont nous amener peu à peu jusqu'à un emplacement du port d'Ignac. Pourquoi supposer que ce triangle sans végétation puisse être le port d'Ignac? Eh bien parce qu'il est situé juste à côté du Riou d'Ignac, bien entendu, tout proche du village d'Ignac et face à Eirac, que nous voyons au loin, devenu Arcachon, alors que dans beaucoup d'ouvrages, il est question d'un côté sur une rive Eirac et de l'autre Ignac. Nous avons dans les écrits très ancien depuis 16e siècle et 17e siècle, l'existence d'un port d'Ignac. Alors au 18e, il est perdu dans les marais, sans doute un peu comme aujourd'hui, comme là où nous sommes sans doute, et l'inspecteur du roi, le maçon du parc, a été obligé de se faire guider par un local pour retrouver ce qui s'appelait le port d'Ignac. Et il y a dénombré plusieurs embarcations de type pinasse que l'on appelait tilleul dans l'administration officielle. Mais on trouve aussi des notations particulièrement intéressantes sur un galion que des marins de la Teste sont venus voler de nuit au port d'Ignac. Et là, c'est un grand mystère. C'est une lettre tout à fait officielle de 1600 et quelques, bien que la date ne soit pas très précise, des chanoines de la cathédrale Saint-André de Bordeaux qui se plaignent du vol de ce galion. Et le galion, c'est un énorme bateau de 150 hommes à bord au moins. Alors, le vol du galion a été fait par des marins de la Teste, c'est-à-dire tout à fait de l'autre côté du bassin, qui sont venus de nuit voler le galion au marin du port d'Ignac qu'il avait recueilli à l'océan, sans doute déséchoué et puis ramené à la remorque jusqu'au port d'Ignac. On ne comprend pas bien comment il pouvait être ancré ici ou par là, dans toute cette zone aujourd'hui sédimentée et naturellement, bien entendu, colonisée par la végétation, mais qui peut-être avant était beaucoup plus ouverte vers la mer. Cette partie du bassin était-elle en effet plus profonde? Malheureusement, les seuls témoins de l'existence du port d'Ignac pourraient bien être ces arbres qui bordent consciencieusement les lieux. L'Ignac, il ne reste désormais qu'un simple panneau de signalisation routière derrière lequel se cache l'un des plus anciens territoires occupés de l'âge cap ferré. Cette inscription demeure la seule trace encore présente de ces hommes qui ont vécu ici, puisé la sève des pins, traversé l'océan et rapporté les trésors de leur pêche. En attendant que des fouilles soient entreprises en ces lieux, il faut laisser aller l'imagination pour que du flou des herbes surgissent devant nous ces résignés, ces pêcheurs.